Plus on se rapproche de Cusco, plus les montagnes sont hautes, plus le paysage est fantastique. OK. On quitte notre chambre glaciale. On quitte le frigidaire. Oui, il a fait froid ici. Bon. Oui. Toi, ta caméra. C'est quoi, Louise? C'est quoi, Roger? C'est quoi, Louise? T'es rouge comme un homard. Louise. Moi, ce que j'ai aimé, c'est voir les gens déambuler avec leurs baluchons, leurs chapeaux, leurs costumes traditionnels. Dans toutes ces rues-là, les marchands qui étendent leur marchand, qui étendent ce qu'ils veulent vendre, et puis très accueillants. En arrivant dans une rue, j'ai vu un groupe de gens attroupés devant un mur. Puis je me demandais ce que c'était, mais c'était des annonces d'emploi. Une autre façon de chercher, c'est mis en pleine rue tout ce que les gens ont besoin s'il y en a qui cherchent de l'emploi. Les gens sont calmes, ils sont habillés de façon beaucoup de façon traditionnelle et puis sont très accueillants. Et puis de voir mille et une choses dans ce petit endroit-là qui s'étend au creux des montagnes. Oui, tout ça semble assez authentique. On est ici en pleine semaine sainte. On prévoit passer 3 jours, mais quand on a commencé à regarder pour la prochaine destination, les hôtels, tout était plein. Après, fait que finalement, on va laisser passer toute la semaine. On va y passer là, 6 nuits, 7 jours. Train. The train, elle traîne, come here, for aqua. Non, pétrole. Oh, pétrole. Pétrole. Nous avons été visiter la gare où nous devions arriver. Les trains de personnes, hein, sont tous annulés au Pérou. C'est dommage parce que à la lecture dans le guide, dans les guides consultés même, c'est un trajet qui est fantastique. On a bien aimé en autobus, mais il faut dire qu'en train, là, avec les grandes vitres, ça a été vraiment fantastique. Et en autobus, souvent, on ne peut pas filmer vraiment. Ils n'ont pas la fenêtre est sale. C'est pour ça qu'il y a peu d'images. Ah ben là, Louise, c'est le temps de sortir ton métier d'actrice. OK. Qu'est-ce que je dois jouer aujourd'hui? La backpacker heureuse. La backpacker heureuse? Oui, je suis heureuse. Oh! Merci, merci. Ah, merci. Ah, c'est bon ça. Comme Roger aime filmer des églises, ben, il est un petit peu autour, fait qu'on a utilisé des mouches. Ce qui était très amusant, c'est très petit, et puis on dirait que c'est des Pokémon. On se promène là-dedans, puis ça va très vite, ça peut se promener dans toutes les petites rues étroites. Ça, c'est quelque chose que je garde comme souvenir.